nom, c'est Brontë Poirier-Press. Je suis finissante à l'École de danse contemporaine de Montréal. Aujourd'hui, on est à Danse Transit. C'est une journée dédiée aux danseurs, surtout aux interprètes. Allô, ça va? L'importance de Danse Transit, c'est d'aider les danseurs à faire du réseautage, à se rencontrer, à voir c'est qui leur prochain collègue, et puis à entendre plein d'informations sur les différents aspects qui vont toucher leur carrière. David Alberta, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire des auditions? I'm not cut out for big companies, and I learned that pretty quick. I don't have what they want, and they don't have what I want. So auditions help me see that. But what I have experienced, which I like a lot more, is the idea of invitations into rehearsals. And this also I've done as a dancer, and sometimes it's led to stuff and sometimes it hasn't, but I really like that a lot more, and I feel like we might be heading a little bit more in that direction in terms of independent artists at the very least. On va parler de la négociation, des principes de négociation raisonnée. On va aussi aborder la question des contrats de travail. Comment évaluer un contrat de travail. Il nous offre une conférence sur le développement de carrière. La carrière, tu sais, on peut faire n'importe quelle carrière, mais l'importance, en fait, c'est... c'est vraiment faire une carrière qui fait du sens, OK? Et le sens, c'est où je sens que je mobilise, finalement, tout ce, en fait, la plupart de mes attributs de personnalité. Et en même temps, ça fait du sens avec moi, puis en même temps, je regagne quelque chose lorsque je m'implique puis je m'investis dans une activité. On fait juste s'asseoir, puis on nous nourrit de l'information qui va nous préparer à l'heure de la scène. C'est vraiment incroyable, les rencontres qu'on a faites aujourd'hui. Fait qu'il faut faire extrêmement attention à tout le niveau d'information qui peut être véhiculé involontairement par tout ce que vous transportez. C'est important de dire la vérité. Je pense que le deuxième conseil, un, on fait attention aux médias sociaux, puis deux, on dit vraiment ce qu'on va faire. On rencontre les gens des autres écoles, on rencontre des gens du milieu, on rencontre les gens qui vont nous apporter des ressources. Ça leur permet de mieux comprendre, mieux articuler leur transition vers une carrière professionnelle. Donc, de passer de tout ce cocon fermé qui est l'école à un tremplin professionnel. Ça permet de démystifier différents aspects du milieu professionnel. Une conférence comme ça, c'est important parce que quand on veut travailler dans le milieu de la danse, je pense qu'on est très concentré sur notre pratique de la danse. Aller se pratiquer le matin la danse, travailler notre corps, travailler notre technique. Mais finalement, on arrive dans le milieu professionnel et oui, on sait danser, mais on n'a pas ouvert nos horizons sur toutes les possibilités qu'on va avoir après la danse et aussi se questionner sur qu'est-ce que moi je veux dans le milieu de la danse. Ils ont accès tout au long de la journée à vraiment des experts là, du milieu, là, des gens qui connaissent très bien les danseurs donc, et qui ont une réflexion derrière la pratique de la danse. Puis aussi bien, le chef, qui est un grand attrait pour les danseurs qui fréquentent rarement les grands restaurants. Alors on a l'immense chance d'avoir la Lou avec nous qui prépare le dîner offert par la Case de la Culture. Alors nous sommes les traiteurs, nous sommes les cuisiniers attitrés au Danse Transit pour aider nos amis danseurs à bien manger. Alors aujourd'hui, on leur a fait une délicieuse salade de légumes avec une pizza fredda. Ben, ils vont même expérimenter le qigong. Puis on sait que c'est avec eux qu'on va travailler pour les prochaines années. Donc, évidemment, c'est les danseurs de demain. Et puis, ça va nous faire un énorme plaisir de les accompagner tout au long de leur carrière.